Bière Pays. Depuis la dernière présentation orale de notre commission, de nombreux événements ont eu lieu, aussi bien au Burundi qu'à l'échelle de la planète. Et certains n'ont pas été sans conséquences sur notre travail, qui a été affecté par des restrictions de circulation. Nous avons dû annuler les missions sur le terrain et faire de notre mieux pour nous adapter aux difficultés supplémentaires pour réaliser des témoignages. Depuis septembre 2019, nous avons déjà pu en accueillir plus de 273. Excellences, Mesdames et Messieurs, la pandémie et la crise sanitaire ont fortement marqué l'actualité du Burundi. Dès le 10 avril 2020, nous avions alerté de notre préoccupation sur l'avancée de la pandémie de COVID-19. Nous avions regretté l'insuffisance des mesures prises par le gouvernement burundais pour y faire face. Le Burundi était en effet un des seuls pays au monde où n'a été réglementé ni l'accès aux lieux de réunion, ni interdit les grands rassemblements sportifs et politiques. Le 12 mai, le gouvernement a même déclaré persona non grata le représentant de l'OMS dans le pays et trois de ses experts. Le 8 juin 2020, le président Pierre Nkurunziza est décédé officiellement, je cite, d'un arrêt cardiaque, fin de citation, après une brève hospitalisation, alors que son épouse était au Kenya pour des raisons médicales depuis 2 semaines. Nous notons avec satisfaction que depuis le décès du président Nkurunziza, les autorités burundaises semblent avoir pris conscience des risques sanitaires, ne serait-ce que par l'abandon du message selon lequel le Burundi serait, je cite, protégé par la grâce divine, fin de citation. Au-delà du droit à la vie et à la santé, mis en danger par une telle crise sanitaire, la crise économique mondiale qui en découle a des effets négatifs sur la jouissance de quasiment tous les droits de l'homme, notamment ceux des femmes et des personnes vivant dans une grande pauvreté. Et le Burundi n'est pas épargné. L'élection présidentielle et celle législative et communale se sont déroulées le 20 mai sans observation internationale. Le 4 juin, la Cour constitutionnelle a déclaré Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, officiellement élu président de la République, avec plus de 68% des voix. Le décès du président Nkurunziza a cependant bouleversé, comme vous en conviendrez, le calendrier électoral, puisque le président élu a prêté serment le 18 juin 2020 au lieu du 20 août initialement prévu. La Commission, Madame la Présidente, prend note de la relativement forte participation des femmes dans le processus électoral, y compris le nombre de candidats élus, malgré des discriminations à leur égard et de nombreux obstacles matériels et culturels. Le processus électoral, toujours en cours en ce qui concerne les élections sénatoriales et collinaires, a été jusqu'à présent caractérisé par une intolérance politique et entaché d'incidents violents et de multiples violations des droits de l'homme, aussi bien avant que pendant la campagne électorale officielle, le jour du scrutin et de façon moindre après l'annonce des résultats officiels des élections. Ces violations ont concerné une majorité d'hommes, mais également des femmes, candidats ou simples membres de partis d'opposition. Depuis l'accréditation du Parti Congrès national pour la liberté, CNL, d'Agathon Rwasa en février 2019, qui est devenu le principal parti d'opposition, ses membres et ses responsables ont dû faire face à des actes d'intimidation, des menaces et des violations graves
des droits de l'homme, commis principalement par des imbonerakure et des responsables administratifs locaux, agissant généralement avec l'appui de policiers ou d'agents du service national de renseignement. Ces violations se sont multipliées plus les élections approchaient. La campagne électorale a été le théâtre de très nombreux cas d'agressions, d'arrestations et de détentions arbitraires de membres du CNL, surtout des responsables du parti au niveau local, des candidats aux élections ainsi que des mandataires désignés pour observer le bon déroulement des scrutins. Plusieurs cas d'exécution de membres du CNL ont été rapportés. La campagne électorale a globalement été émaillée d'incidents, notamment des affrontements entre des membres du parti au pouvoir ou ceux des partis d'opposition, qui ont fait des blessés et même quelques morts. Le CNL n'a pas toujours été en mesure de mener à bien ses activités de campagne. L'organisation de certains meetings électoraux a été perturbée par des imbonerakure. Des messages de haine et d'hostilité, particulièrement violents envers les opposants politiques du CNDD-FDD, parfois avec une dimension ethnique, ont circulé largement sur les réseaux sociaux sans faire l'objet de sanctions de la part des autorités. La justice est devenue le principal instrument des autorités et du CNDD-FDD pour affaiblir et barrer la route au CNL. La presse a continué à être étroitement contrôlée, notamment au travers de la synergie des médias. Des journalistes ont été intimidés et menacés ou empêchés de couvrir librement le processus électoral. Des enfants se sont vus privés de cours et ont été obligés de participer à des réunions politiques organisées en faveur du parti au pouvoir. Malgré ces violations qui ont été nombreuses, il ne semble pas y avoir eu de violence masse. Nous sommes convaincus que nos demandes, notamment à la communauté internationale, de rester vigilante, ont eu un certain effet. De nombreux appels à la retenue adressés par différents membres de la communauté internationale semblent avoir été entendus. Dans le cadre de son enquête sur les fondements économiques de l'État burundais, la Commission s'intéresse, Madame la Présidente, à diverses pratiques qui constituent des flux financiers illicites et porte préjudice à la jouissance des droits de l'homme dans le pays, notamment de possibles cas de détournement de fonds de l'aide publique au développement, d'enrichissement illicite, de prise illégale d'intérêts et de corruption dans le secteur de l'attribution des droits miniers et des marchés publics. Les fondements économiques de l'État sont caractérisés par un manque criant de transparence qui soulève de nombreuses questions de fond, notamment sur la gouvernance au Burundi en général. Nous attirons d'ores et déjà l'attention sur la responsabilité de tous les partenaires techniques et financiers du Burundi de s'assurer que leur assistance ne puisse pas contribuer d'une manière ou d'une autre à la persistance des violations des droits de l'homme. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, des violations des droits de l'homme se sont poursuivies jusqu'à présent et il serait prématuré de se prononcer sur la possible évolution de la situation avec les nouvelles autorités. Des facteurs de risque, notamment de type structurel, demeurent et ils ne vont pas disparaître du seul fait de la transition politique en cours. Le discours d'investiture du nouveau président Ndayishimiye n'a pas été dénué de certaines ambiguïtés et de quelques contradictions. Nous prenons note de ses propos prometteurs de réconciliation politique, ceux en faveur de la justice, de la lutte contre l'impunité, de l'amélioration de la situation des droits de l'homme. Mais nous relevons néanmoins certains éléments préoccupants, tels qu'un certain déni de la crise politique engendrée en 2015, ou bien ceux donnant une conception indûment restreinte
de certaines libertés publiques, soi-disant en raison de la culture burundaise. Nous relevons de tels propos interpellent, d'autant plus que la politique du nouveau président sera mise en œuvre par un gouvernement composé essentiellement de caciques du régime de feu président Nkurunziza, dont certains sont sous sanction pour leur implication dans de graves violations des droits de l'homme. Nous appelons, Madame la Présidente, solennellement le nouveau président de la République à démontrer sa volonté de changement en coopérant pleinement avec les mécanismes internationaux des droits de l'homme. La libération immédiate des 4 journalistes d'Iwaku, des défenseurs des droits de l'homme, tels que Germain Rukuki et Nestor Nibitanga, serait notamment un geste significatif. Parmi les domaines prioritaires d'action, à l'aune desquels les nouvelles autorités pourraient attester de leur volonté de changement et de normalisation sur le long terme et de manière objective, on peut citer la lutte contre la pauvreté et l'instabilité économique, c'est le facteur de risque numéro un. La lutte contre l'impunité, de facto, dont bénéficient les principaux acteurs, auteurs de violations des droits de l'homme, c'est le facteur de risque numéro deux. La réforme du système judiciaire, facteur de risque numéro trois. Et la réouverture de l'espace démocratique, facteur de risque numéro 4. La coopération avec la commission d'enquête serait une autre preuve indéniable, tout comme la réouverture du bureau du haut-commissaire aux droits de l'homme au Burundi. Si la communauté internationale est réellement soucieuse de voir la situation des droits de l'homme au Burundi évoluer positivement au cours des prochains mois et années, elle doit rester vigilante, car le système de gouvernance mis en place au profit du parti CNDD-FDD reste en place. Elle ne devrait pas se contenter de tourner la page, comme si l'entière et exclusive responsabilité reposait sur le seul feu président Nkurunziza, et qu'une élection et une transition politique pouvaient suffire à garantir automatiquement que la situation des droits de l'homme va désormais s'améliorer. Cette transition politique, Madame la Présidente, pourrait devenir une telle opportunité si, et uniquement si, la communauté internationale reste vigilante et mobilisée à encourager la prise des mesures qui remédient aux causes profondes des violations que la commission d'enquête a mandat de documenter.